Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Anthem. On y va, on bourre. Sésame, ouvre-toi. J'ai pas obtenu du... Non. On ira voir ça après quand on rentrera en mission. Je crois pas que j'ai obtenu le cuivre encore. Je crois que c'est vraiment dans le dernier niveau. Sinon j'aurais peut-être bien mis en orange le cuivre. Noir et orange ça passe bien chaud. Même avec un bleu, ça peut très bien passer. Changer de mission. Nous avons donc plus que des... Ah non, il nous reste un contrat. Très bien, on va faire ce contrat. Collaboration. Très bien. C'est parti. Je suis un peu déçu. Je réfléchissais si je devais en parler ou pas. Il y avait quand même une grosse promesse de customisation. Et je me rends bien compte qu'en termes de customisation, bon, on n'a pas beaucoup changé de choses depuis la sortie du truc. Principalement parce que la plupart des customisations ne se trouvent que dans la boutique. Pour l'instant, je suis pas sûr que les Vanity Chests soient en place, en tout cas pas à l'heure où je tourne la vidéo. C'est-à-dire tout ce qui permettra d'avoir du cosmétique par la voie de coffre. Rien de tout ça n'est encore dans le jeu, en tout cas de ce que j'en sais. Peut-être que c'est déjà que je me plante, hein, peut-être que c'est dans les forteresses, mais ouais, c'est dommage, ça manque. Il manque beaucoup de customisation, c'était vraiment une grosse promesse faite par les devs et c'est vraiment dommage que ce soit pas respecté, en tout cas pour le moment. On y est, c'est parti. Voici la patrouille disparue. Libère les sentinelles et élimine les scars. Oh, c'est efficace. Ok, je recharge. Crac. Excusez-moi, il y a des retours de Anna sur Overwatch. Je peux pas te heal, je recharge. T'as pas ta grenade de disponible. Ah merde, j'ai loupé celui-là. C'est chier. Oh non. Oh, je l'ai tellement chié celle-là. Oh, honte sur moi. J'ai envie de faire les kills, hein, désolé. J'ai vraiment besoin de faire les kills pour ces équipements. Les sentinelles sont toutes. Bien, tu ferais mieux d'éliminer tous les ennemis actifs à proximité. Ah, je peux pas surchauffer, très bien. Ok, et de 1. Et de 2. Mettre la queue, c'est très bien. Bien, je recharge. Non ! Une gâche complète. Ah bah je sais ce que ça fait maintenant. En plus il a fait péter le. Oh, on est tellement de colosses. Il est joli le sien. Je dois le reconnaître. Je dois le reconnaître. On revient sur nos pas, on est d'accord. Hein, parce que ça, j'ai déjà pris il y a 2 secondes. Hein. Après. Comme dit Alouk, ils ont réussi leur chute d'eau. Bon. Fait 3 km de déplacement quand même. Hein, si je peux me permettre. Eh ben. Dans les rizières, allez. Ouais. C'est pas prévu. Par la porte. Putain, c'est la guerre. Voilà ta cible. Fais attention aux tourelles, Vesta. Ça veut dire que c'est une tourelle. Mais lol. Merci. Au revoir. Ça c'est fait. Salut la sentinelle. Faut que je pense à mettre mon shield par réflexe. Faut que j'apprenne à faire ce réflexe. Ah, y'a pas eu plus de meubles. Je suis vexé. Hop. Bah alors, ça fait mal. Un scar d'élite. Salut. Un légendaire. Nice. Fait. Oh, vous êtes pas drôle. T'as dit, je pense que quand je les touche, c'est suffisant.
parce qu'il y a certains ennemis, par exemple chez les scorpions, les ouvriers. Non, c'est pas les ouvriers. Si, c'est les ouvriers qui quand ils se suicident sur toi et que tu les as touchés avec ton arme, c'est suffisant pour te faire gagner le point. Donc, c'est pour ça le prix, on va dire. Il y en a encore qui viennent. Voilà le chasseur, c'est là. Voilà, touché. Bien, il en reste encore un paquet. Désolé, je te l'ai volé. Je suis à court de balles. Marche pas des masses en histoire, hein. Je peux te permettre. Désolé. Hé, hey, ton shield est différent. Oh, t'as pas, moi, il y a du bleu et du vert là-bas. Je suis pas allé chercher ça, moi. Qu'est-ce que je fous? Je vais récupérer des munitions au passage, encore mieux. Oh, on est bon. Alors j'entends des gens se plaindre en ce moment. C'est fun d'avoir de fun avec moi, non? Hop. Hop, get ready. J'en ai fini avec Esther. Non, j'arrive. Notre problème est apparu. Faudrait que une équipe de sentinelles pour un assaut. Ah bon? D'accord, bien compris. Ils sont par où? Non, là-bas. Je sais plus ce que je disais. Oui, apparemment, il y a des gens qui se plaignent que quand ils vont en... dans des niveaux de Grandmaster où ils sont pas encore stuff, bah ils arrivent pas à finir les forteresses parce qu'ils ont pas assez de munitions. Mais normal, si ton équipement et ton build n'est pas optimisé, c'est-à-dire que si tout ton stuff n'est pas optimisé pour ce niveau-là et que la puissance n'est pas présente, ça me semble logique que quand tu vas tirer, tu vas pas faire suffisamment de dégâts et donc forcément tu vas tomber rapidement à court de munitions. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ah bon, ça, c'est mon point de vue. Sauter les cages d'armes d'Escar. Je m'en occupe. Ok. Ça. Ça, des explosifs. Oh. Marteleur. Nice. Pas aussi, faut que j'aille le déposer là-bas. Raté. T'es trop mauvais. La bombe s'amorce. Reste à portée jusqu'à ce qu'elle soit prête. Oui, madame. Oh, ça touche pas? Oui, c'est bon. Ah, la portée, c'est pas ça. Mais il est d'élite, c'est pour ça que j'aimerais bien le... Je me dis que je vais pas l'avoir. J'ai eu le tueur d'élite. Considère que je l'ai... Ah! C'est parfaite cette... Je sais pas si je l'ai vu. J'espère l'avoir eu ici. De toute façon, j'irai sans doute les faire. En solo. Pourquoi recharger? Recharger, c'est vraiment pour les faibles. Voilà. Hé, hey, venez voir papa. Ok, plutôt bien. Je pense que mes défis, j'irai les faire en triplé, en off. Parce que c'est tellement chiant à faire avec d'autres gens. Apparemment, je l'intéressais. C'est que je vais peut-être avoir touché les deux. Donc avec un peu de chance. On se bouscule tous pour faire les combos. C'est quoi?
faire un petit peu de nettoyage. Ah, ils sont nombreux encore. Ok. Joué. Je sais pas si je l'ai eu pour cette arme. Je commence à douter. Hop. Normalement avec ces joueurs de genre implacable. Qu'est-ce que j'ai implacable? Putain, je sais pas ce que j'ai. Ah, ça va péter. Je sais pas où c'est, mais il ça reste va péter. Des ennemis dans la zone. Éliminé. C'est à 14, et j'ai l'impression d'avoir fait plus que 14 avec cette arme. J'ai fini, il n'y a plus un seul ennemi. Allons voir. J'espère que je ne me suis pas planté d'arme. Ce sera tout. Bon boulot. Ah, j'ai dû me planter d'arme. D'arme, pardon. Je sais pas si je peux le voir quelque part. Non. Oh bah c'est pas grave. Contrat collaboration. Oh, oh le board. Voilà. Me pousse pas. Comment il me pousse? L'irrespect. Merde. Va falloir que je m'arrange avec avec mon armurerie pour reprendre la bonne arme. Direction la forge donc. D'abord le kikimeter, ensuite la forge. C'est vraiment le mien le plus stylé. Verdict. J'ai pas vu le kikimeter, je ne me dis pas que j'ai passé le kikimeter. Plante consommable, d'accord. 4009. Ah, ils ont fait mieux, ils ont fait mieux, ils ont fait mieux. Oh, je suis vexé, je suis tellement vexé. On est niveau 20, ce qui veut dire qu'on va pouvoir débloquer le violet maintenant en termes de qualité de stuff. Ça, c'est nice. C'est très très bon. Ensuite, pour le prochain niveau de qualité. Quoique, je sais pas si c'est le violet, mais c'est l'épique. C'est l'épique. Parce qu'après, il y aura le. Le magistral et le légendaire. Toujours rien parce que je n'ai pas fait l'émission. C'est normal. Ok, très bien. Marteleur. Et fusil mitrailleur, j'ai mis massue. Merde. Hop. C'est pas KO, massue, c'est l'implacable qui m'intéressait, moi. Bien ici. Prendre celui-là. Très bien. Équipement de soutien, j'ai pas trouvé mieux. Composants. Stockage. J'ai l'impression, hein. Non. Et en renforcement structurel non plus. Très bien. Régulateur de sur-régime, j'en ai pas vu. Il là, ici. Nice. Et renforcement du bouclier lourd. Semble en avoir vu un. Ah, c'était de ça que j'avais vu. Je me fie à la au R en fait. Ok, très bien. Très bien. Mortier par feu, on est au max. Ici pareil, ici pareil. Très bien. Très bien. Retour à la base. On a la bonne arme maintenant pour l'améliorer, c'est cool. Il faudrait que j'aille voir au niveau. Je crois que c'est des élites qui me restent à tuer, combien qui m'en reste. C'est ça la vraie question. On va aller vite fait voir dans les défis. Fusil d'assaut. Ah, on est passé au rang 2 et il y a le rang 3 qui est apparu pour les autres parce que j'ai débloqué le rang 2 de tout le monde. D'accord, le rang 3 c'est du légendaire tué avec les armes en question. Très bien. Très bien, très bien. Et ça me donne accès au niveau de capacité, enfin niveau de qualité supérieure. Très bien. Il y a saut mètre 1 avec des pièces supplémentaires. D'accord. Simplement. Des foufous. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent me parler après ce contrat? Putain, il y a encore des tonnes et des tonnes de gens qui veulent me parler. Encore il y a ma fausse maman. Miam.
Putain, la bouffe, c'est devenu un truc de ouf ici. Hein. Y'a pas un kebab, c'est le vrai kebab, celui avec les mouches dessus et tout. Salut Marelda, comment ça va? Je ne sais pas. Je suis allée chercher les cendres de ton père pour que nous puissions les disperser. Je ne les ai pas trouvées. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire une cérémonie en sa mémoire. Non. L'urne n'était pas là. Et c'est étrange. Maintenant que j'essaie de me souvenir, certaines choses que tu m'as dites, je me demande. Je ne sais pas si l'urne n'a jamais été là. Je ne suis plus sûre de rien. C'est un progrès. Ça veut dire qu'elle commence à se souvenir de la vérité et pas... Que j'ai un don pour perdre les choses. Que tu réalises que ce que tu croyais vrai ne l'est pas. Une urne. En quoi c'est si important? Ton père, bien sûr. Il est mort. Mais je le savais déjà. Comment il est mort? Il... Tu étais blessé. C'est chelou quand même. Vraiment? Comment? C'est important. Non. Je ne veux pas me souvenir de ce jour. T'étais en plein déni. Te rappeler ce qui s'est passé est le seul moyen de dépasser ta douleur. La vérité a failli me tuer. Mais c'est pas le cas. T'es toujours là. Tu es forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait chaud. Oh, la petite musique. Comme toujours, à Liberalia, à cette époque de l'année. Tu jouais avec ton père. Tu faisais semblant de piloter un javelin. Il te pourchassait en rugissant comme un ursix. Tu étais si jeune. C'est long. Tu gambadais un peu partout. Tellement heureux. Et là... Continue. Les sirènes ont hurlé. Il y a eu des coups de feu. Quelqu'un a crié « Le Dominion !» Puis des explosions. Je t'ai entendu crier. Donc j'étais un gamin au moment du... Ton père saignait. Mais toi, tu étais sous les décombres. Une pile de béton. J'ai essayé de la soulever, mais c'était trop lourd. Tu criais. Papa est blessé, aide-le. Je l'ai éloigné. Donc je suis mort. Enfin, ton fils est mort. Il y a eu une nouvelle explosion. Les décombres se sont effondrés. Mais toi... Toi... Tu peux y arriver. Tu es mort. Mon brave petit garçon. Tu devais grandir et devenir freelancer, tomber amoureux, devenir un homme. Mais tu n'en as pas eu l'occasion. Parce que je n'ai pas pu te sauver. C'est pas toi le responsable. Le responsable, c'est donc le Dominion. C'est plutôt à toi de te pardonner. Comment le pourrais-je? Ton père, il est mort le jour d'après. Ils l'ont emporté. Dans le film, le jour d'après? Je n'ai même pas pu l'enterrer. Pas plus que toi. Rien de tout ça n'était de ta faute. Mais je les aimais. Si fort. Ils voudraient pas que tu t'en veuilles. Ils voudraient que tu sois heureuse. Tu peux faire ça? Je crois, oui. Mais... Tu n'es pas Kyler, n'est-ce pas? Je suis juste un freelanceur. Non. Je suis juste un freelanceur qui te fait penser à lui. Tu es... Tout ce que j'espérais le voir devenir. C'est pour ça que j'ai pas dit ami. Ce que tu as fait pour moi. Parce que je voulais absolument que ce soit la représentation de ce qu'elle avait dans la tête de son fils. Sauvé toi-même. Que son fils pouvait devenir. Je ne dirai jamais assez, mais. Je suis trop gentil. Merci. Au revoir. Prends soin de toi. Merci en tout cas. Le problème, c'est la moindre des choses. Elle cherchait pas un ami en son fils. Elle cherchait quelqu'un qui lui ressemblait. C'était stupide de dire je suis juste un ami. Personne veut me parler, ça fait presque bizarre. Je le prends très très mal, honnêtement. Je me casse, je me tire. Écoute, Alou qui devient sympa, quoi. What? C'est vrai qu'en termes d'amis qui est un connard, il doit s'y connaître. C'est méchant, pardon. C'est méchant. Oh non, ah mais non, ça continue, pardon. J'ai déjà eu un bug avec le texte qui restait en bas affiché.
Là, c'est un peu le cas. Alors, Amal. Ah tiens, j'espérais que tu passerais. Mais voilà. Tu te souviens de Carilla et de son colis que tu m'as conseillé de réceptionner à sa place? Ouais. Bon, eh bien, j'ai reçu le colis. Et peu après, un type est venu me menacer avec un couteau. Il m'a dit de m'asseoir et il a commencé à tout saccager chez moi pour retrouver le colis. J'étais terrifié. Alors je suis resté assis, hein, jusqu'à ce qu'il déchire le couvre-lit que ma mère m'a offert. Là, j'ai perdu mon sang-froid et je me suis jeté sur lui. Il a essayé de me poignarder, alors je l'ai bousculé avec un coup d'épaule. D'accord. On est tombés lourdement tous les deux. Je me suis vite relevé pour mettre les voiles et là... Là, je me suis rendu compte qu'il bougeait plus. Il respirait plus. Et sa tête faisait un angle bizarre par rapport à son corps. C'est con. Ce qui fait que j'ai maintenant un cadavre et un colis dans mon appartement. Et je sais pas quoi faire. Contacte les autorités. Tu t'es fait agresser. Directement voir les sentinelles et dis-leur ce qui s'est passé. Moi j'ai des copains dans les sentinelles. Je t'en dois une. Ne perds pas de temps. Vas-y maintenant. Maintenant ! Putain, mais qu'il est con. Très bien, fais patienter les trucs, t'as raison. Qui c'est d'autre qui veut me parler dans le coin ? Ça, t'as trouvé le tombeau de Fort Tarsis. Enfin, je veux dire, du général. Layton. Ah, mon ami le vétéran. Enfin, l'ancien espion pour les méchants. Layton, comment ça va ? Comment ça va, mon pote ? On se connaît ? Je suis freelancer, on s'est déjà parlé. Tu m'avais dit être un transfuge du... Ah, oui, bien sûr. Pardon. Je me rappelle maintenant. Ma femme veut que je me fasse des amis. J'ai l'impression que c'est pas gagné. Hein. Ça va ? Non, pas vraiment. Je suis dans le brouillard. J'ai trop ressassé le passé. Ça pourra t'aider d'en parler. J'étais un autre homme à l'époque. Tu vas changer d'avis à mon sujet. C'est possible. C'est le prix à payer. Je vais pas te mentir, c'est possible. Mais j'ai connu ma part d'horreur. Raconte-moi. J'étais crypteur pour le Dominion. Un outil de surveillance de l'État braqué sur notre propre peuple. Je suivais leurs mouvements, leurs plans, leurs séditions. J'étais très fort à ce petit jeu. J'étais la main invisible qui tenait le troupeau. Si je prenais quelqu'un qui en déviait, il mourait. Et il y en a eu beaucoup. Ça n'a pas dû être facile. Attends d'entendre la suite. J'avais aussi des talents physiques. Force, agilité, précision. Le Dominion n'a pas manqué d'en profiter. On m'envoyait à l'étranger en mission. Je traquais les crypteurs ennemis, que je torturais mentalement pour leur soutirer des informations. Ils me suppliaient de mettre fin à leur souffrance. Et c'est ce que je faisais. Je logeais une balle dans le siège de leur douleur. Le crâne. Il y en a eu tellement que j'ai perdu le compte. Alors, qu'est-ce que tu penses de moi maintenant, freelancer ? Et honnête avec toi-même. Une chose qu'on peut pas t'enlever, c'est ton cran. Il en faut pour avouer la vérité. Une vérité que je n'arrive pas à accepter. Savoir que c'est moi qui ai fait ça. Je comprends pourquoi ta femme s'inquiète pour toi. Plus que tout, je veux être l'homme qu'elle me croit capable d'être. L'autre jour, j'ai aidé une femme et son fils à battre du beurre. C'était simple. C'était vrai. C'est la vie que je veux. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Les souvenirs ne disparaissent pas. Ta femme m'a dit que tu parlais tout seul. Le drame de tous les crypteurs. Tout est flou. Un simple mot peut déclencher un souvenir. Puis un autre que je pensais avoir oublié. Quand je réfléchis, il m'arrive de ne pas m'apercevoir que je le fais à haute voix. Qu'est-ce qui te tracasse ? Un nom. Une femme. Aurora. Il se répète encore et encore. C'était... foutu migraine. Je n'arrive pas à me rappeler. C'est pas grave si c'est trop douloureux. Aurora peut être sacrifiée. Les dommages collatéraux sont acceptables. L'État l'a décidé... L'État l'a décrété. Quoi ? Je ne sais pas. C'est un souvenir. Je ne sais ni qui elle était, ni ce que j'ai fait, mais je le sens. C'est passé, ça avait la grappe. Je pense qu'il faut qu'il résoudre le mystère. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais je sens que ça te détruit de l'intérieur. Est-ce que je pourrais seulement me reconstruire ? Parle à ta femme. Nadira peut t'aider, elle s'inquiète pour toi. Non, j'ai honte. Je veux d'abord tirer ça au clair. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je comprends. C'est vraiment intéressant. Je sais pas si absolument tous les dialogues ont un effet sur Fort Tarsis, mais... C'est vraiment génial. Hein.
Bon, Brin, t'as encore un contrat à me filer. Ou c'est peut-être la fin de son contrat. Salut Brin, tu tiens le coup? Freelancer. Bien. Tu te rappelles la sixième sentinelle disparue? Celle qu'on n'a pas pu retrouver dans les murs? Ouais. J'ai découvert un signal faible, très faible, mais ça pourrait être lui. Je vais le chercher pour toi. Avec les pertes qu'on a subies, on est un peu à court de bras et... Oh. Merci. Les sentinelles apprécient, et moi aussi. T'en prie. Brin a localisé Cal Andrin, une sentinelle disparue au cours de sa dernière expédition. Le signal d'Andrin est faible, mais devrait pouvoir être plus simple à repérer sur le terrain. En tant que lancier expérimenté, vous vous sacrifierez et ordonnerez à d'autres de se sacrifier pour le fort. La responsabilité est immense, à vous de décider maintenant si vous pourrez l'assumer. Discours de motivation du commandant Veil aux nouveaux officiers. Nous protégeons la maison royale de Bastion et toutes ses suites. Très bien. Très bien, très bien. Salut du con. Oui, ton jumeau. On est tranquille, il n'y a plus personne qui veut m'adresser la parole. Alors on y va. C'est qui fait sécher son linge? Wouah! C'est beau! C'est tellement beau! Ok, bon bah, go for it! Allez! Et on doit avoir plein de contrats, plein de machins, plein de bidules à faire quand même, hein. Changer de mission, on a ce contrat ici, rechercher et sauver, mission principale, ah non, on a qu'un seul contrat en fait, autant pour moi. Allons faire ce contrat. Cal Andrin. Ah. Plus là on a les bonnes armes. Du coup, je suis inquiet vis-à-vis du fusil d'assaut et du... Enfin, pas du fusil d'assaut justement, du fusil mitrailleur. Parce que celui que j'avais était bien, celui d'avant aussi était bien. Celui-là, qu'est-ce qu'il va avoir? J'ai lu juste le nom, j'ai pas lu ce qu'il avait comme particularité. J'aurais peut-être dû. Ah là 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 là. On va bien voir. Créer des consommables d'expédition. Je vais aller voir vite fait ce que c'est intéressant, mais j'imagine que c'est vraiment que pour le... Le endgame, quoi. Le vrai endgame de la mort. Imagine donc les forteresses et grand master. Grand master. Ouais, j'ai fait ça aussi. Freelancer, salut. T'es d'attaque? Toujours. Où est-ce que je dois aller? Le lancier qui a disparu dans cette mine Scar. C'est Sentinelle Andrin. J'ai trouvé son signal, je crois. Andrin, il est faible, mais bien présent. Je vais le suivre. Quoi, des fois, quand t'as malchance. D'accord, il y a des tas de cadavres partout par ici, c'est... Nice. Il m'en reste combien à prendre? 2. Oui, c'est l'ancien port d'Arpenteur. Il est envahi de Scar. Maintenant que t'es plus près, je peux utiliser ton chavelin pour mieux trianguler la position d'Andrin. Ok. Entre dans le complexe. Nice! Ça va pas être si simple. Il y a des défenses vraiment solides. Et ben, qu'une. Alors tu perces à travers. J'y travaille. Alors. Est-ce que ça c'est le. Je sais pas quoi et quoi. Considérons que c'est celle-là que je cherche. Ok. Et parce que les élites, je vais essayer de les buter avec la bonne arme. Ah la vache, c'est moi, quand même. Merde. Tiens, regardez, c'est du violet, ça. Non. J'ai cru. J'ai cru, mais non. Très bien.
C'est les défenses car qu'il faut buter. C'est ça. Hop là. Nous le retrouvons ou pas, Brine? S'il te plaît. Il y a beaucoup d'essaims à proximité. Aucun signe d'Andrine. Tu dois être juste au-dessus de lui. Ils doivent le cacher. Élimine ses essaims. C'est que des élites, donc je vais utiliser plutôt le fusil d'assaut. J'arrive pas à savoir lequel est lequel. C'est chiant. Je crois qu'en 2 c'est le fusil mitrailleur. Et en 1 c'est le fusil d'assaut. Ah. Il y a moins de balles dans le fusil d'assaut, donc je pars sur ce principe là. Ok. Pas du tout avec ça, quoi. Ok. C'est pas grave. Recharge. Tant que je suis pas interrompu. Ce dernier essaim, autour des scars. De faire mes défis. Et... c'est là qui garde André. D'accord. C'est une piste comme une autre. C'est parti. Ah, Stranger Things. Je suis seul à trouver un petit peu le... l'intro. Ouh, nice. T'es tout prêt, le signal est très fort. Il y a bien trop de scars. Il garde sûrement quelque chose. Oh, je suis trop loin. En même temps, je suis poussé par tout et n'importe quoi. J'arrive pas à accélérer comme il faut. Vous êtes chiant. Je vois Andrine. Il y a un gros paquet de scars. Je les élimine. Ah, il les a eu les deux. Vache. Il y a du bleu qui tombe. Tu m'as récupéré le bleu. Aïe, putain. T'es obligé de me foncer dedans. Ah. Normal, j'aurais pas le tuer avec cette arme. C'est pas ça que je visais, mais pourquoi pas. Bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Faire les défis, bah c'est pas possible en partie normale, ça se fait trop vite. Ouais, il fallait que je lance en difficile. Elle doit ouvrir la cage. Tu peux l'attraper ? J'ai la clé. Bon, maintenant débarrasse-toi des scars et libère Andrine. Bah, la mission se fait très très vite. Hein. Limite, je vais plus regarder s'il n'y a pas le truc vert. Hein. Parce que de toute façon. Bien, plus de scars. Non, c'est la porte qui me pousse. Et merde. Les défenses du fort. Les sentinelles sont en chemin pour récupérer Andrine. L'escari est toujours dans le coin. Vous devez l'arrêter au plus vite. Je m'en occupe, Andrine. Les secours arrivent. On peut le soigner ? Oh, l'escari d'abord. Très bien. Hop. On ressort ? Ah bon ? Ok, très bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Brine, tu peux tracer cet escari? Il y a un signal étrange près de toi. On va voir ce que c'est qu'un escari. Ok, la dernière chose dont on a besoin, c'est bien d'un chef scar avec la parlotte qui prévoit d'attaquer le fort. Donc un escari serait tout simplement un chef scar. D'accord. On va pas jusqu'à dire que c'est un brin indécent. J'ai pas loupé un symbole vert dans le coin. Ah,
J'aimerais bien le trouver en vidéo, je sais pas ce que ça va donner. On doute rien. Andrine a dit que l'escarie voulait savoir comment le fort a été défendu. C'est quoi sa stratégie? Demande-lui. T'es sérieuse? Bien sûr. Bien le bonjour, seigneur des insectes. J'aimerais connaître vos projets machiavéliques. Et après, elle est con. Elle est vraiment très con. Pardon. Hein. Ok. C'est fermé. Très bien. Ça m'apprendra. Et c'est à 40 km en plus. Tenez-vous prêt, on a trouvé l'escarie. Et dans ce tas de cerveaux fraîches, ce qui me suit. Je vais avoir le tas de cerveaux fraîches. Je suis pas au bon endroit du tout en fait. Merde! Le tuez pas tout de suite! Ça vient des murs de métal. Ça se terre dans le fort. Demande ah, c'est un flambeau. Suis une plante. Quoi? Bon, ok. Dis-nous ce que tu veux, Escarie. Les arcanistes ne savent pas faire marcher les reliques des démiurges. Damaris l'Escarie les fera fonctionner. L'énergie des démiurges s'accumulera. Elle nourrira les colonies. Métal, chair, machine. Damaris arrachera. J'ai plus de, d'armure là. Ah, y'a de l'armure, non? Là oui. Ok, il tombe. Boum! Toujours du bleu et du vert. Pas de chance. On a peut-être eu l'escarie, mais la relique dont elle parlait. On la trouvera. Ensemble. Bien. Et les deux frères. Merci. On discutera de la suite. Dac. C'est bien que je vais encore devoir discuter avec des gens. Génial. Rechercher et sauver. J'espère qu'il a réussi à rentrer l'autre au moins quand même. Ça serait sympa. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre javelin? Les 4 qu'on a quand même sont des archétypes. On a le tank, le mage, enfin le guerrier, le mage, le voleur, et on a le, on va dire ce qu'on appellerait l'aventurier entre guillemets avec le ranger, le survivaliste. Je doute d'avoir les meilleurs. On va bien voir, hein, mais voilà. Troisième. Ah, Dimeter, il en prend un coup. Hein. Ah, tiens, j'en ai trouvé un niveau 24. Nice. Nice, nice, nice. Direction la forge. On va l'équiper ça. C'est pas trop mal. Mais bon, je pense que faire les défis en même temps, c'est pas... Faut pas chercher. Implacable, il est où? Plus 3% de dégâts, plus 5% de dégâts de glace. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Mais bon. Et le marteleur, j'en ai pas trouvé un. Apparemment non. Très bien, on va le laisser là où il est, c'est très bien comme ça. Ici, on a un 21, stockage de colosse. Non. Toujours pas. Faudra un bouton pour pouvoir juste upgrade. Vous l'avez, hop, ça allume automatique. Le renforcement structurel, je l'ai pas non plus et je vais pas le crafter. Pas grave. Pas grave, pas grave. Équipement de soutien à cri de guerre. Rien de mieux. Il y a ce que je peux faire, c'est tout de suite. Y a pas le bouton pour envoyer directement dans la... Non. Ça prend 3 plombes pour tout démanteler. Hein. Je trouve. D'ailleurs, vu que l'autre, non, c'est pas bon. Autant pour moi. Très bien. Ici, je suis toujours en 22.
Je garde celui-là parce que c'est la seule bobine de choc que j'ai pour le moment. Et on est très bien comme ça. On est très bien comme ça. Je vais juste revérifier pour le marteleur. Si ça dérange personne. Défenseur, 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 veilleur, veilleur, défenseur, 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 veilleur. Marteleur niveau 17. J'ai pas mieux. Très bien. Ok. Pourquoi pas. 217, on a deux doigts de passer à un niveau supérieur, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça devient marrant. Oh, tais-toi, Prospero. De faire passer un message. Voyons voir. Donc ça, c'était normalement le contrat de Bryn. Donc elle devrait avoir quelque chose à nous dire, elle, je pense. Peut-être pas tout de suite après, mais... Non, peut-être tout de suite. Pas tout. Ah, il y a encore Miralda. Ah, il y a encore plein de monde. Bon, bah, on saura ce qu'on fera dans le prochain épisode, encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à pouce vériser la vidéo si... pouce bleuisé, pardon, parce que c'est des pouces bleus. Faut que j'y arrive, hein, c'est l'habitude. La vidéo... Je sais pas si on peut descendre. Ouais. Nice. C'est quoi ça? Colosse. Nice. Ouh. Continue encore et encore. La forge. Excellent. Excellent. Et on se retrouve demain donc pour la suite des aventures de Marcus le freelanceur. Wow. On voit pas comment les gens ils peuvent dire qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a que dalle. Il n'y a que ça partout. Enfin, salut !